Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie d'invités prestige. Papa Sgui, les gars, vous le connaissez sur les réseaux, connu pour ses vannes, connu pour plein de choses, j'ai envie de dire, pour le coup de coude, pour le Sgui de la night, pour plein de choses, les gars. C'est une machine à buzz, ce mec. RGM, pareil, mon frérot, c'est un plaisir de le voir, RGM. Le réseau s'affiche en bas, les gars, pour ajouter Papa Sgui, TikTok, Insta, Snapchat. Pareil pour RGM, tout s'affichera en bas, les gars, vous pouvez les rajouter. Ils font du bon contenu. Je suis en compagnie de Loubit. Loubit, qu'on connaît déjà, qu'on n'a plus besoin de présenter, mais on affiche quand même sur Instagram. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et c'est gratuit, bien entendu. Il ne va pas dire non. Et aussi, on a le petit Djaloud qui est avec nous. Alors, c'est le fils d'un ami à moi. Il voulait apparaître dans une vidéo. Il va apparaître, mais si ça part en cacahuète, il n'interviendra pas. Il sera à l'écart, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour lui faire plaisir parce qu'il voulait absolument apparaître dans la vidéo de Kamoff. C'est ça, Djaloud? Ouais. Tu es content? Oui. Elle est impeccable. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un ami à moi qui s'appelle Michel. Vous l'avez déjà vu sur les lives TikTok à une époque. Aujourd'hui, il a eu l'opportunité d'ouvrir un cercle. Les gars, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cercle, c'est une association qui permet d'accueillir pas mal de monde et de boire des coups, de jouer aux billes, de faire des grillades, de faire plein de choses, de faire des soirées, etc. Je me trompe ou c'est ça. Voilà. Donc il m'a appelé, il m'a dit Anto, il y a un mec qui ne paye pas ses consommations et en plus qui fout le bordel, qui fait la terreur, tout ça. Lui, c'est quelqu'un de gentil. Michel, c'est quelqu'un de très gentil, les gars. Et le problème, c'est que quand il y a un mec qui vient et qui fout le bordel, il n'ose pas le mettre dehors parce qu'il est trop. Regardez la carrure qu'il a. Il a bon cœur. Hein. Il pourrait le mettre dehors s'il veut. Mais le problème, c'est que le mec, il est un peu chaud, il craint un peu parce que c'est un mec qui, voilà, c'est un mec qui craint. Donc nous, aujourd'hui, parce qu'il vient tous les jours, c'est ce que je m'imagine. Qu'est-ce qui se passe quand il vient? Il fait quoi, frérot? Il vient, il met un peu l'eau là dans le bar, après il me dit serre à boire, je te paye après, serre à boire, je te paye après, il met la pression, il rend fou tout le monde. Combien il te doit alors d'aujourd'hui? Tout à l'heure il m'a dit il te doit plus de 300 euros. C'est ça. C'est énorme. C'est ça. Nous aujourd'hui on est bien entourés, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait appel à tout le monde. On va rentrer dans le bar, on va se mettre en caméra cachée avec le caméraman, il vient tous les jours. C'est ça. Tu connais à peu près ses horaires? Oh, à peu près, c'est à peu près l'heure. Là c'est à peu près l'heure. Donc on va faire vite, on va vite se mettre là-bas. Donc on va faire comme si on ne se connaissait pas et quand il va rentrer, moi, une fois qu'il a fait le bordel, je rentrerai et je vous laisserai la suite de la vidéo pour voir ce qui va se passer. Voilà les gars. C'est lui, je crois que c'est lui. Ouais. Tu penses me régler quand toutes les notes que tu dois là? Au lieu de toujours rentrer à exciter, à rendre fou tout le monde, là, à me rendre fou aussi, à me faire remarquer dans les clients, là. Tu penses me régler quand tout ce que tu dois là? Quand j'ai envie? Non, c'est pas quand j'ai envie. Je suis comme tout le monde, j'ai des charges à payer, j'ai un loyer à payer. Je m'en bats. Ouais, ben moi non. C'est pas mon problème, je m'en bats. C'est pas ton problème, mais à partir de maintenant, je te servirai plus alors. Pardon? Oui, oui, je vais. Putain, ça me retourne de bord, moi je m'en bats. Tu peux plus me servir, je te retourne de parenté. C'est pas ça, chef. Je te paierai quand j'ai envie. Il n'y a pas de quand j'ai envie, il faut que tu règles maintenant. Fin du mois, c'est bon? Fin non. Du mois. C'est très bien? Non. Non? Non, non. Ah, c'est pas mon problème. On va aller. Fine ton conca et c'est bon, va-t'en maintenant, c'est bon. Quoi? Oui, va-t'en. Ah, c'est bon. Pas comme ça! Aïe! Oh, mais je suis vieux! Oh! Mais tu m'as, toi? T'es craqué ou quoi? T'es fou, c'est peur de famille! Pas le fou! Prends tout ça! Tous! 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 Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Tu m'en prends pas! Comment on va arrêter comme ça? T'as pas honte? Vas-y, il faut que t'assoies! Doro, il s'est fait tout! Laisse-moi régler avec une mise en place! Adieu! Doro, je te parle, vas-y, dégage! Dernière fois que tu me parles comme ça, toi aussi! Non, non! Tu t'en vas maintenant, c'est bon! Moi, je pars! Oui, tu pars! Parfois, t'as pas compris! Le bar en l'air, je m'en bats les! Non, tu passes pas derrière! Non, tu passes pas derrière! Prends la caisse, t'es dit! Non, je te dis! Elle est où la caisse? Oh, bougez-vous là, comment on fait? C'est où l'argent? Il est où l'argent? Il est où? Y'a pas d'argent. Il est où? Mais les gars, ils sont toute la journée là. Ils sont où? Comment ça marche pour ouvrir là? Allez, donne-moi une clé, bouge-toi. Oh, bouge-toi, qu'est-ce que tu as pas compris là? Bouge-toi, donne-moi les sous. Non, je te donne pas de sous. Je casse toutes les bouteilles. Y'a pas de caisse. Vas-y, y'a rien. Y'a rien. Ah, je m'en collègue ça. Dis-moi, tu joues à quoi? Ah, je vous arrête direct, je vous en coupe tous. M'en bats les couilles. Venez, faites-moi les voyous maintenant. Les hommes. Tu m'enculais quoi, toi? Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que c'est?
Tu vas faire quoi? Dis-moi. C'est le caïd de Château Gombert. C'est le voyou de Château Gombert, ça? Les gars, arrêtez de me faire des voyous, vous me faites pas peur, vous êtes 5 sur moi, vous me faites pas peur. On ne te fait pas peur? On est trop dur. Vous voulez quoi? Tu vas rendre les sous que tu as donné, que tu as volé à mon ami là? Tu dois pas mettre un, j'ai rien pour les gens. Des sous, je paye à la fin de la nuit. Non, ça fait des mois. Lève ta caméra, déjà, pourquoi on va parler? Lève ta caméra. Non. Mais attends, on parle avec la caméra parce que si on la baisse, on va te détruire. Je te le dis vraiment. Tu vas rien faire. Non, de toi, frère, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Frérot, Mais tu es qui toi? Tu le voyou de Château Gombert? Mais peu importe qui je suis, gros, l'important c'est pas qui je suis, l'important c'est que. T'es tellement un voyou. Roi et tes collègues. D'accord, ça va. T'es un vaillant. Alors tu sais quoi, vas-y, mets le premier taquet, allez, vas-y. Vas-y, mets un taquet. Vas-y, mets. Je vais te dire un truc clair et net. T'as vu là, on va pas jouer la violence. On a des milliers de personnes qui nous regardent toutes les semaines. C'est pour ça, baisse ta caméra. Ouais. Alors je vais te proposer un truc. Si tu veux pas apparaître sur les vidéos. Vas-y. Je travaille comme un père. J'ai envie de lui mettre une gifle. Tu vas faire quoi, toi? Oh, Ski! Oh, Ski! Oh, oh! Arrête, lâche-le, gros, lâche-le! Pourquoi? Lâche-le! Arrête! Tu vas le tuer, Ski, arrête, qu'est-ce qu'il y a? Ski, qu'est-ce qu'il y a? Tranquille, frérot. Écoute, c'est ce qu'on va faire, simple, frérot. Ouais, ben. Je t'explique. Tu vas me romper. Non, mais je t'explique. Je t'explique, frérot, parce que là, c'est entraînement. Soit tu arrêtes, tu rends les sous, soit je le lâche. Je le lâche parce que ça suffit en vrai. Lui, il te prend, il te broie. Non, je le lâche quoi. Je le lâche parce que si je le retiens pas, là, il te broie en deux, frérot. Vous allez rien faire, arrêtez de parler. Je paye à la fin du mois, je te dis. Non. Tu vas payer maintenant, sinon ton visage va être sur internet. Je te le dis, frérot. Mais tu peux pas porter plainte avec les images qu'on a. Oh, on va pas parler sentence, comment ça me gonfler. Tu vas y rendre les sous ou pas? Je les ai pas sur moi, je peux pas, je vais les sortir d'où? Vas-y, je vais les sortir d'où, vas-y, fouillez-moi, ouais, j'ai un iPhone X. Je leur donne. Mais X. Donne un téléphone, parce qu'on va l'éclater comme tu as éclaté le verre, sinon. Donne-moi les clés. Les clés, pourquoi? T'as rien d'autre? Pas de carte bleue, rien? Quand je te dis que j'ai pas d'argent, tu crois que j'ai rigolé ou pas? Tu sais ce qu'il va faire? Commence à ramasser le verre par terre, après tu vas faire la plonge à mon ami, il va rester un moment avec toi, Michou. Il va rester avec toi, parce que si. Tu restes pas et que mon ami m'appelle, il me dit pas rester. Je te garantis, frérot, ton visage, on le balance sur internet. Hein. Je m'en bats les couilles, moi. Et tu peux porter plainte, hein, parce que si lui porte plainte avec ce que tu viens de faire et les preuves qu'on a, je crois que c'est toi qui vas rentrer en prison, c'est pas lui. Hein. D'accord? Vas-y, commence à ramasser. Oh, les assistés de. Ça, c'est les assistés de la France. Trop du cul, vas-y. C'est même pas balayé, regarde. C'est bien ce que tu fais. Ah bon? Il y a une troupe du. Arrête de parler, s'il te plaît. Vas-y, accélère, mon frère, accélère. Je suis fatigué, toi, pas. Allez, je sais pas, frérot, j'ai me rendre. Je suis fatigué, putain, tu me fais tout. Moi, dans la tête. Accélère, je vais pas obligé. Monsieur, non, venez, s'il vous plaît. Venez. Non, vous, venez. N'est pas. Vous foutera, venez. Ça vous dérange pas que ce mec, à chaque fois, il vienne, il fout le bordel, ça? Comment ça nous casse les couilles tout à l'heure? On peut pas jouer tranquille. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Pas un couille, quoi? Tu es en train de rendre fou tout le monde. Occupez-vous de lui là, faites quelque chose, j'ai envie d'être tranquille moi, je viens tous les jours ici. On est là pour ça, hein. D'être tranquille dans mon bar. Moi aussi je viens tous les jours ici. Mais justement, c'est ça le problème, c'est bien ça. Attends, t'es très long, fais voir, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais rien te faire. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tout à l'heure j'ai vu un truc qui m'a. Mais qu'est-ce que tu veux? Fais voir les clés, fais voir tes clés. Voilà, fais voir tes clés. C'est le portail de mon garage. C'est le portail de la maison. Honda, c'est un scooter ça. Allez, pose le balai, reste là. Michou, reste avec lui s'il te plaît. Venez avec moi les gars s'il vous plaît. Vas-y, Ski, vas-y. Voilà. C'est à toi, ça, non? Du coup, oui. Mais Giga, oh! Voilà. Vous êtes malade. Voilà. C'est bon, te l'as saisi, on va saisir. Toi, tu rentres par là. Tu saisis mal. Milieu, c'est ça, vous êtes des fous. Voilà. Allez. Voilà, c'est la coupe. Attention, pousse. Allez, mets-la avec. Mais qu'est-ce que je vous en prie, ça coûte 4 000 euros. Voilà. Non, Michou, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas garder le scooter jusqu'à ce qu'il te rende les sous. Tant que tu n'as pas rendu les sous, tu ne rends pas le scooter. Deuxième option, on te le prend à coup de pied maintenant, tu en as pour 3 000 euros de réparation. Tu fais quoi? Moi aussi, je suis chaud. Non, c'est un scooter. Prenez-moi un coup de pied à la rigueur, pas le scooter. Ouais, c'est bien ça aussi. Ça aussi, c'était une bonne idée. Lui, il croit trop, c'est chaud, lui. Arrête de le chauffer. C'est bon, ce qu'il laisse tomber. Je vais essayer d'aller voir si je peux trouver des sous. J'ai demandé. Vas-y, bouge-toi le cul, on revient. On t'attend, vas-y. T'attends. Bouge. Allez, active! Allez, mais là tu voulais, depuis tout à l'heure tu voulais sortir! Casse-toi, allez, vas-y! Va prendre ta carte bleue, va prendre le compte de ta mère, et va me chercher les. Ouais, mais ferme ta gueule, allez, ferme! Oh! Ça me bat les gueules!
tout pour vas-y, vas-y, casse-toi. Vas-y. Mais Frérot, s'il te plaît, vas-y. S'il te plaît, vas-y. Ah 350, tu lui dois? Pas moi, non. Non, combien 350, tu m'as dit, Mich? 350 euros, il te doit? Tu vas ramener 500, bouge-toi le cul. 500, c'est notre... Tu récupères pas le scooter. 500, c'est notre... Tu récupères pas le scooter. C'est bon? C'est français ou pas? 150 euros, ils sortent d'où? Je sais, tu te démerdes. Va voir ta mère, qu'elle te fasse un crédit, va à Crédit Lyonnais, je sais pas, je m'en bats les couilles, allez, ferme. Allez, je m'en bats les couilles, vas-y. Allez, casse-toi. Casse-toi, dégage, dégage. Il arrive. Il est là déjà. Ma parole, je te le dis. Il est là. C'est ouvert, imbécile. Il est con. Trop du cul. Ah bah. C'est bon, tu as les sous? Oui. Cassez les couilles. Donne 350 euros. Michaud, viens, s'il te plaît. Bon. Viens, tu crées rien, frérot. Donne-lui les sous, on va les compter ensemble, vas-y. Sors les sous. Bon, regarde, c'est quoi? Écoute-moi. Alors, tu sais quoi? Écoute-moi. Tiens. Donne-moi les sous. Tiens. Rends-lui, s'il te plaît, les sous correctement, parce que je te... Ça va mal finir. Bon. Donc, il y a 400, 402, 440, 440. Il est où le reste? Il manque 60 euros. Je le propose des cons ou quoi encore? Tu pas. Tiens, donne. Donne, je comprends pas à quoi tu joues, toi. Toi, je comprends pas à quoi tu joues. Toi, déjà, on te laisse une chance, tu. C'est bon, c'est. Gardez sur moi. 60. Voilà, c'est sorti. Tiens, garde-les pour toi, maintenant, tu t'excuses. Pardon. Excuse-toi, tu serres la main, tu regardes dans les yeux comme un homme, tu dis pardon. Vas-y. Pardon, je ferai plus ça. C'est la dernière fois. Bah écoute, maintenant regarde-moi, moi je te le dis maintenant. Si on te revoit ici, qui me rappelle ici, on te fout droit, t'as compris ou pas? Non, maintenant tu prends ta merde là, et tu te casses vite, tu dégages. Vas-y, bouge, arrête de faire le voyou, tu es pas un voyou, allez, dégage. Prends de l'élan, pousse-le, aide de la monter, vas-y. Vas-y. Ah. Voilà. Eh, hey, maintenant pour le reste d'escalier, tu te démerdes, ça me bat les couilles. Allez. Ça me bat les couilles. Oh, c'est bon, allez. Les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. On va l'aider à descendre parce que sinon, ça va empêcher les gens de passer. Hein, Mich? Je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes. Il y avait parmi nous mon ami, il tient à rester anonyme, mais c'est un ami d'enfance également qui est venu prêter main forte. Merci à toi, mon frérot, c'est au top. Michou. Arrête de nous rendre fous. Casse-toi. On va t'aider, arrête, ça va. Il y a la vitre ouverte, tu peux parler, on t'entend, trou du cul. Il y a la vitre ouverte. On a 2 minutes, c'est bon? Michou, les gars, franchement, les gars, avec tous les clients qu'il a perdus à cause de cet enfoiré là, l'adresse, vous l'avez, les gars, c'est 4 rue des Brus, 13013 à Marseille. Si vous voulez vous arrêter, boire un coup, si vous voulez nous voir, on est souvent ici, Michou. J'espère que ça va te faire un peu remonter la pente cette vidéo. Et j'espère que ce mec-là ne viendra plus. Si à quoi que ce soit, tu m'appelles, ok? Merci à Loubit aussi. Heureusement qu'il était là aussi. C'est une mascotte, hein, vous le connaissez, Loubit, plus besoin de le présenter. Son Insta, il s'affiche en bas. Merci d'être venu, frérot. RG. Merci. RGM, merci les gars, merci. Sur les réseaux RGM, TikTok, Snap. On met tout. Tous les réseaux en bas, les gars. Les meilleurs pour la peine, les gars. Papa Zgui, sans lui, je vous le dis la vérité. Hein. Sans lui, on n'aurait pas pu monter le scooter. Ma parole, le scooter, on l'aurait pas monté. Il a une force, de sanglier, frérot. Rajoutez-le sur les réseaux sociaux, c'est important pour lui. Papa Zgui, sur TikTok, Snap et Instagram, c'est Papa Zgui. Papa Zgui. Et le nom, il s'affiche en bas. Voilà. D'accord, les gars, le nom s'affiche ici, Papa Zgui, sur les réseaux sociaux. Vous l'avez certainement vu déjà. Et vous risquerez de le revoir encore. Pendant très longtemps. Très longtemps, les gars, voilà. Merci à vous tous, les gars. Merci beaucoup. Merci à toi, Kamoff. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kamoff. Ciao, ciao.